Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper bien. Et aujourd'hui on va faire le jeu des fléchettes. Donc, let's go! Donc maman m'a imprimé cette carte. Donc comme vous avez pu le voir, c'est Jiffy. Donc là il y a plein d'objets de Jiffy, donc mon jouet, etc. Et donc je vais devoir avec des fléchettes. Je vais par exemple, je vais vouloir un truc, je vais devoir lancer. Si par exemple je tombe sur un fauteuil de jardin, je devrais aller à Jiffy acheter un fauteuil de jardin. Voilà. Et on remercie beaucoup Jiffy pour nous avoir envoyé une nouvelle carte cadeau. Merci beaucoup. Donc oui, Luna, comme elle vous a expliqué, on remercie Jiffy de nous avoir envoyé une nouvelle carte cadeau. Et du coup, on s'est dit qu'en ce moment, il y avait une vidéo qui tournait pas mal, c'était avec la carte de France. Et nous, je me suis dit, pourquoi pas changer un petit peu et la faire spécialement à Jiffy. Donc c'est pour ça que j'ai noté plein de choses que l'on trouve chez Jiffy. Et voilà, si Luna envoie une flèche sur bougie, elle devra acheter une bougie dans Jiffy, etc. Voilà, elle pourra choisir ce qu'elle veut. Un coussin que je veux, des bonbons que je veux, un jeu que je veux. Voilà. Donc il y a une bougie, un déco de jardin, un fauteuil de jardin, coque de téléphone, chaise de bureau, déguisement, jeu piscine, cadre, coussin, jouets, verre et bonbons. Voilà. Donc t'es prête? Oui, j'ai trop prête, j'ai trop hâte de commencer. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors Luna, tu es prête? Oui. Tu vas te reculer un tout petit peu. Ah, encore un peu. Oh, c'est trop bien. Voilà. Donc est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais viser? Oui. Alors, qu'est-ce que tu aimerais viser? Des jeux piscine. D'accord. Bon bah essaye de viser les jeux pour piscine. T'es prête? Oui. Vas-y. Fauteuil de jardin. Donc bah du coup on va chercher notre fauteuil de jardin et on se retrouve au magasin. C'est parti. C'est parti. Alors on va faire un petit tour. Donc là nous sommes à la recherche d'un fauteuil de jardin. Oh, il est trop beau. La couleur bleue. Couleur bleue? Oui. Montre. Ouais, il est pas mal. On a même plus envie de bouger, j'ai plus envie de bouger. T'es sûr en bleu? Oui. Moi, j'aurais bien vu en noir. Bon, ben, on vous montre ça. À la maison. À la maison. Oh, ils sont jolis. Ah oui, les petits fauteuils là aussi sont trop mignons. C'est comme on a acheté à mamie, presque. Ouais, c'est comme on a acheté à mamie. J'aime bien aussi. Bon bah tu feras ton choix alors. Donc voilà, on est rentré à la maison et on va faire la deuxième manche. C'est sur la limite, donc tu peux relancer ta flèche. Oui, je vais essayer déguisement. Coque de téléphone. Ce serait une nouvelle coque. Voilà, on prend une nouvelle coque de téléphone, donc bah c'est parti. Voilà, c'est reparti. Rayon coque, donc moi je trouve celle-là trop belle. Ouais, on est au rayon coque de téléphone et il y en a des super jolies. Là aussi elle est belle. Ouais, donc Luna va devoir faire un choix. Ah, celle-là, je vous montre un peu ce qu'il y a. Ouais, celle-ci aussi elle est super belle. Je vous montre la violette, celle-ci aussi elle est canon. Après... celle-là aussi, elle est super mignonne. Ouais, elle est trop trop belle, celle-là aussi. Bah voilà, bon bah Luna va faire son petit choix. Et on se retrouve à la maison. À la maison pour vous montrer. Voilà. Deuxième manche. Déco jardin. De la déco pour le jardin. Il doit y avoir de jolies choses en plus. Parce qu'il me semble que Jiffy vient de mettre en place tout ce qui est déco pour le jardin. Donc on verra bien ce qu'on trouve au magasin. Comme ça, on refera le jardin. Voilà, c'est parti? Oui. Maintenant, je suis à la recherche d'une déco pour le jardin. Donc c'est parti, on va chercher. Il y a vraiment pas mal de choses. Oh, regardez, ça fait ouais, c'est quoi? C'est trop mignon. Ananas comme ça, ananas comme ça, ananas comme ça. Et c'est quoi dedans? C'est une bougie? Je sais pas. Oui,
Là, ça, c'est pour mettre une bougie. Dedans, oui. Ouais, ça, c'est super sympa. Donc, on va montrer un petit peu ce qu'il y a comme déco. Ça, c'est beau. Ouais, c'est trop mignon. En ananas. Ouais, c'est pas mal. Il y a quoi d'autre? Il y a ça, là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas trop. Ça doit être pour accrocher sur le mur, à mon avis. Ah oui, parce que là, il y a des... Ouais, après, il y a quoi d'autre? Il y a vraiment de jolies choses. Ouais, elle est pas mal. Ouais, c'est vrai. Après, j'aimais bien ça, là. Ça, les petits pots, là. Oh, ça, c'est trop mignon, regarde. C'est des petites bougies. Ça, c'est trop chou, par contre, j'aime beaucoup. Ça, la plante, là, j'aime trop la fausse plante. Là, elle est trop belle. Un faux cactus. Ah oui, ça pique pas. On fait notre choix, puis on se retrouve après. Oui. Quatrième fléchette. Bon, on va voir pour trouver un cadre. Donc c'est parti? C'est parti! Bon, bah maintenant on va chercher notre cadre. Ouais, très joli. T'es doué, t'es doué. Je vais faire mon choix. Bon, tu vas faire un choix, je vous montre un petit peu ce qu'il y a. À votre avis, qu'est-ce que Luna va choisir? Ouais, il est très joli celui-là. Mais je vais choisir quand même. Bon, bah je te laisse choisir et puis on vous montre à la maison. Oui. Cinquième fléchette. Des bonbons. Bon ben, on va choisir des bonbons. T'es parti? Oui, c'est parti. C'est parti. Maintenant, on va aller voir les bonbons qui sont juste derrière maman. D'accord. Donc, ah oui, tu dois choisir des bonbons. Et c'est, je crois que c'est dernier. Bon alors, il y a vraiment beaucoup de choix de bonbons. Donc, est-ce que tu vas savoir lesquels prendre? Ça a l'air trop mignon. Moi, c'est pas des bonbons, c'est plus du chocolat, ça. Ouais, donc qu'est-ce que tu veux? Je veux... Il y en a beaucoup quand même. Hein. Oui, il y en a trop. Bon, bah, on va essayer de choisir. Après, lesquels que t'aimes bien? Celle-là. Montre ça, d'accord? J'aime bien celui-là. Ouais. Et c'est tout. T'as vu et que cela. Ça? Et cela. D'accord. Et cela. Ouais, bah il y en a beaucoup en et fait. Et trois jus, c'est les œufs. D'accord. Ah oui, il y a des trois. Ça fait beaucoup de bonbons tout ça. Oui, mais c'est qu'un paquet qu'il faut prendre. Ah, t'avais pas aimé ça aussi, les Nerz là? Non. Bah on fait le choix et puis bah, on vous montre à la maison. Sixième fléchette. Des verres. Elle était où? Là. Ah, donc des jeux pour piscine. Ça tombera bien parce que pour l'été, ça sera bien pour la piscine. C'est vrai. En espérant qu'ils en aient déjà mis au magasin. Parce que s'ils en ont pas mis... Bon, ben on va au magasin. Oui, c'est parti. On se retrouve en magasin encore. Par la recherche de des jeux de piscine. C'est parti. On va aller dans la maison de piscine. Ah ouais, là, il y a plein de choses pour les piscines. Pour la piscine. Ouais, c'est vrai. Bon alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Un éboulement, c'est fait. Un éboulement, c'est clair. Ah, là, il y a des jeux pour la piscine. Ouais. Une pêche au canard. Une pêche au canard. Ah, les petits frères, ils vont adorer ça. On pourra même en faire une vidéo, j'ai une idée. Bon, bah, du coup, on va faire un petit tour, voir ce qu'il y a dans le magasin et puis voir au cas où qu'on trouve un autre jeu bah, pour la piscine. Fauteuil. Donc pour le fauteuil de jardin, il était vraiment trop chou. Ouais. Et puis t'as l'air d'être bien dedans. Ouais, c'est trop bien.
Donc là, bien sûr, on l'a monté dans la chambre de Luna, mais il va aller dans le jardin dès que le beau temps arrivera. Ensuite, pour coque de téléphone, j'ai pris ça. Une coque. Donc elle est transparente et avec un dégradé rose. J'aime beaucoup. Et c'est aussi écrit coque souple. C'est vrai. T'aimes bien les coques souples, toi? Parce que ça se casse pas. Voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai pris ça pour mettre sur la table du jardin et je trouvais que c'était bleu comme le sable. Bleu comme le fauteuil, c'est vrai. Donc ça va être un petit bougeoir pour mettre sur la petite table du jardin. Oui. Et je trouve que ça ferait une belle petite déco. Et ça, c'était déco jardin. Voilà, dans la rubrique déco jardin. Ensuite, dans le cadre, j'ai pris ça. Maybe I am a unicorn. C'est un chat licorne. T'aimes bien beau. Les chats licornes, toi, en plus. Je pense que je vais le mettre là-bas. Ouais, vu qu'on n'a pas encore fini de décorer ta chambre, on te le mettra un petit peu après. Ensuite, pour les bonbons, j'ai pris ça. Ouais, deux paquets de bonbons. Donc, il y en a un pour Luna et un pour les petits frères. Bon, après, ce sera pour nous deux. Oui, voilà, vous pouvez partager. Au moins, il y a du choix. Donc, des Togolo. Togolo. À la fraise. Et des bonbons nounours. Voilà, des Haribo petits ours. Ensuite, pour le jeu piscine, on a pris des canards. Des petits canards. Une pêche aux canards, quoi. Voilà, et Naïm les adore parce que tout à l'heure, il voulait les ouvrir. Il disait canards, canards. Oui. Et du coup, les petits frères vont super bien s'amuser avec ça. Et moi aussi. Cet été. Et oui, on pourra faire des petits jeux avec ça. Ce sera super sympa. Vu que bien sûr, on avait une carte cadeau, et il y en aura encore plein des sous. Donc, on a profité pour en prendre d'autres choses. Donc, on a pris des verres coca. J'adore les verres coca-cola. Ouais, on en avait acheté avant. Ensuite, pour mes frères, on a pris des verres comme ça. Donc, ouais, ils adorent. Oui, ils sont là en promo. Donc, il y en avait un pas de patrouille pour Naïm et un Mickey pour Maël. Ils les échangent comme ils veulent. Voilà. Et c'est super sympa comme truc parce que, du coup, on adore boire avec des pailles. On n'avait jamais rien trouvé pour eux et là, c'était l'occasion de leur en prendre un. Ensuite, on a pris ces verres. Donc, on a pris un ananas. Ça, c'est des verres gobelets en fait. Et je les ai trouvés tellement cute. Que je pouvais pas les laisser au magasin en fait. Et ensuite, donc on a une ananas et une noix de coco. Voilà. Après, maman a pris trois lumières pour le jardin. Voilà, et vous voyez, c'est avec des petits panneaux solaires comme ça. Donc, c'est bien pratique pour l'été. Donc, ça, quand le soleil tape dessus, quand il fait nuit, il s'allume. Et du coup, on va en mettre tout autour des dalles du jardin. Voilà, comme ça, ce sera bien illuminé quand on ne voit rien. Et on a pris aussi couleur bleue pour faire un rappel avec le fauteuil. Oui, on va faire cette fois le jardin gris, noir et bleu. Voilà, gris, noir, bleu, je trouve, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. On a aussi trouvé ce joli seau. Voilà, ce pot. Pour mettre des tomates à faire... Non, c'est, après on peut faire ce qu'on veut dedans. Mais moi, j'ai repéré un petit cactus en fait à Jiffy. Et je me suis dit, le pot sera super joli pour le mettre avec. Ou pour faire un chapeau. Non, pas pour faire un chapeau. Et on a pris aussi la même couleur du coup que les lumières, que le porte-bougie et que le fauteuil. Ça fait un petit rappel et je trouve ça super sympa. Là, j'entends mieux que de notre seau. N'importe quoi. Oh. Ah, vous êtes là. Alors... Et donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous bisous. Ciao ciao.